du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit Saint, qui est cette lumière, mais Jésus même, il nous a dit, je suis la lumière du monde. En Jean 8, 12, vous allez pouvoir relire cela. Celui qui ne me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Vous avez déjà imaginé une vie vécue dans le noir? Par exemple, si on est perdu dans le milieu de la forêt pendant la nuit, il y a quelqu'un qui arrive avec une torche, qui demande de faire route avec nous pour pouvoir nous illuminer le chemin. En fait, c'est ça que Jésus il a fait. Lui, la lumière du monde, il est venu jusqu'à nous. Comme dit le prophète Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, donc nous, une lumière s'est levée. Cette lumière, c'est le Christ. Et Jésus, avant de partir, nous sommes en train de vivre ça dans ce temps pascal, il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est comme si Jésus, ce compagnon de route qui est venu nous illuminer dans ce pays des ténèbres, il nous promettait de donner cette lumière, de mettre cette lumière au plus profond de nous, pour que plus jamais on puisse être dans les ténèbres. C'est vraiment ça, la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, elle est cette lumière intime qui vient en nous, qui est en nous, et que nous devons accueillir, et que nous devons vraiment permettre qu'elle puisse illuminer toute notre vie. Que ce soit pas seulement une lumière à l'extérieur, mais que ce soit une lumière à l'intérieur, puis remplie jusqu'à l'intime, jusqu'à l'intime. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint, il illumine? Qu'est-ce que l'Esprit Saint, il éclaire? Bien, l'Esprit Saint nous éclaire sur nous-mêmes, il nous éclaire sur les autres, il nous éclaire sur Dieu. Comment? Sur nous-mêmes. Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour pouvoir pas seulement connaître nos fautes, nos péchés, c'est aussi une grâce de l'Esprit Saint, cette lumière qui montre ce qui ne va pas, pour qu'on puisse aller mieux. Mais pas que ça, c'est l'Esprit Saint aussi qui vient nous dire à nous-mêmes combien nous sommes aimés de Dieu, combien nous sommes, moi, vous, toi, comme nous-mêmes, notre personne, nous sommes une merveille de Dieu. Je suis une merveille de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de prier en vérité, le psaume 138, lorsqu'on dit « Béni sois-tu, Seigneur, pour la merveille que je suis. Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. » L'Esprit Saint vient nous éclairer sur nous-mêmes. En accueillant cette grâce, vous puissiez demander cela à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous éclaire aussi sur nos frères, sur nos sœurs, ceux qui sont autour de nous. Saint Jean, il va bien parler sur ça dans sa première lettre. Je vous invite à le relire. Celui qui a de la haine pour son frère, il ne peut pas dire qu'il marche dans la lumière.
il est dans les ténèbres et il ne voit pas bien les choses. Donc, c'est laisser éclairer par l'Esprit Saint sur les frères, sur les sœurs, sur ceux qui nous entourent, c'est apprendre à regarder comme lui. Encore une fois, bien sûr qu'on va voir les défauts de nos frères et sœurs, parce que nous avons, ils ont, mais pas s'arrêter là, mais voir aussi la merveille que l'autre il est, voir aussi la bonté de l'autre, voir aussi tout ce que Dieu fait dans leur vie, tout ce que Dieu fait dans ma vie à travers eux. C'est vraiment voir tel que Dieu puisse éclairer nos regards pour pouvoir voir nos frères. Peut-être ces frères et sœurs que vous n'arrivez pas à voir de bonnes choses, de belles choses, ce sont ceux qui sont le plus proches de vous. Demandez cette grâce à l'Esprit Saint. Et aussi, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous fait connaître lui-même, qui nous fait connaître Dieu. Déjà, c'est lui qui nous fait crier « Abba Père », c'est lui qui nous fait dire « Seigneur Jésus », et bien c'est lui qui va aussi nous faire connaître la Trinité, qui va nous faire connaître tout cet amour de Dieu, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans le connaître. Et donc l'Esprit Saint, il nous fait grandir dans la foi, il nous fait grandir dans l'espérance, il nous fait grandir dans l'amour, il nous fait connaître vraiment l'identité de Dieu. Combien de fois nous avons de fausses images de Dieu, nous avons des images qui sont pas le vrai Dieu. L'Esprit Saint vient nous éclairer, il vient vraiment illuminer pour voir que Dieu il est Père, que Dieu il est amour, que Dieu il est pardon, que Dieu il est là, qui nous accueille toujours, que Dieu nous invite à cette vie nouvelle où le péché et le mal n'ont pas de place. Vraiment l'Esprit Saint, cette lumière bienheureuse, nous l'invitons, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à vous disposer à l'accueillir. Ô lumière bienheureuse, nous prions avec Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix Carmélite, qui a composé cette prière pour la fête de la Pentecôte. Es-tu le rayon qui jaillit du trône du juge éternel et fait irruption dans la nuit de l'âme, qui jamais ne se connut elle-même? Miséricordieux, impitoyable, il pénètre les replis cachés. Effrayée à la vue d'elle-même, elle est saisie d'une crainte sacrée. Au commencement de cette sagesse, qui nous vient d'en haut et nous ancre solidement dans les hauteurs, par ton action qui nous crée à neuf, Esprit Saint, rayon qui pénètre tout. Demandons encore la grâce et cette lumière de l'Esprit Saint sur nous. Du Saint-Esprit. Amen.